Coucou, vidéo du soir, bonsoir. C'est pas pour un tirage, non, tu t'es trompé. C'est pour vous dire de faire attention aux faux comptes qui vous contactent sous vos commentaires. Médium, voyante médium, et j'en passe des vertes et des pas mûres. Aux faux profils qui se font passer pour nous. On ne vous contacte jamais en privé. Jamais, 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 jamais. Ne croyez pas que nos comptes se sont fait usurper. C'est pas vrai non plus. Faites attention, pas de transcash. Faites attention si on vous demande un PayPal avec un paiement entre amis. C'est pour éviter de récupérer votre somme si vous apercevez que vous êtes fait arnaquer. Faites attention aux Français qu'ils emploient aussi. Il y a un petit truc qui va pas. Ils ont du mal un petit peu à parler français. Soyez prévenants, véritablement. Vous avez des doutes, contactez-nous par WhatsApp ou par SMS, par Messenger, ou bien dans les messages en DM, en privé. Faites attention à tout ça. On met du temps à vous répondre. On a plus de 3000 demandes en cours, donc forcément, ça nous demande du temps. On s'excuse toujours pour la gêne occasionnée. Soyez patients, s'il vous plaît. Quoi vous dire de plus? Aux commentaires négatifs, bah vous nous faites sourire. C'est bien, vous permettez à l'algorithme de continuer à monter. Pour certains, prenez un petit peu de dérision, prenez pas tout au premier degré. Rie, chante, danse. Un peu de douceur dans ce monde de brutes. La vie étant qu'assez compliquée comme ça pour se prendre la tête pour des broutilles d'un mot que tu vas entendre, ou d'une expression, ou d'où ah, mais ça ne me parle pas. Mais tu prends pas les cartes comme tu devrais. Fais attention. Oh, attention, tu vas t'attirer, je ne sais pas quoi. Mais vous n'êtes pas constructif pour certains. Hein, je ne sais pas. Hein, moi, je pense que vous êtes. C'est vous que je plains. Je pense que vous êtes tellement triste dans vos vies que vous ne savez même plus par quel bout commencer. Vous ne savez même plus par quel bout avancer. Reprends-toi en main. Tu as le pouvoir entre tes mains. Tu es créateur de ta vie. Si tant bien que tu restes spectateur, bah reste-le, mais n'accuse pas les autres de ton mal-être, n'accuse pas les autres de ta tristesse. Tu as, à ton niveau, tout ce qui fait pour avancer, de par des conseils, de par un mot, de par une expression, une phrase. Fais de la méditation, lâche prise, travaille ton mental, travaille ton ego, aime avec sincérité, aime avec ton cœur, aime-toi suffisamment, respecte-toi. Voilà tout ce que j'ai beau vous dire plusieurs fois par jour. Prends soin de toi. Prends soin des personnes que tu aimes. Et la santé te permettra de tout avoir. Sois créateur de ta vie. Avance pour toi. Ne sois pas dans la critique. La critique ne sert à rien. La critique gonfle ton ego. Ça fait du bien. Tu as envie de vomir quelque chose sur quelqu'un parce que. T'es jalouse, t'es jaloux de la réussite d'une personne, t'es jaloux de quelque chose que toi tu n'aurais jamais osé faire, bah fais-le. Qui te l'interdit à part toi-même? Ah, tes peurs profondes certainement. Donc voilà, tout ça pour dire encore une fois, tourne ta langue cette fois dans ta bouche avant de parler. Tu es responsable des mots qui sortent de ta bouche et de ceux que tu écris. Mais je suis pas responsable de ce que moi je vais pas moi je vais pas garder ce que toi tu vas me dire. Si ça me parle pas, oh, je m'en tape le coquillard, mais tu peux même pas t'imaginer. Tu vois, j'ai un bouton, je vais appuyer sur supprimer, bloquer. C'est toi, hein? Moi je m'en fous en fait. Moi je suis bien dans ma vie. Hein. Je traverse les mêmes choses que monsieur, madame, tout le monde, mais je suis bien avec moi-même, je suis alignée, hein, mon corps, mon âme et mon esprit. On est là pour vous aider, on est là pour vous accompagner, on est là pour vous soutenir et parfois vous donner des coups de pied virtuels, comme j'aime bien vous les faire de temps en temps. Tu es une belle personne, ne doute pas ça. Tu as peut-être oublié ta part de bienveillance. On a tous une part de lumière en nous, même toi, qui ne crois pas un mot de ce que je te dis. Même toi, tu as une part de bienveillance. Même toi, tu as cette part de bonté en toi. Élève-toi, prends de la hauteur, regarde les choses avec recul et tu verras que tu as tout à y gagner. Change la vision que tu as de toi et tu verras que les autres changeront la vision de toi. Mais sois pas dans la critique, sois pas dans le jugement. Ça n'apporte rien. Arrête de jeter la pierre à ton prochain. Sors de tout ça. Tu es ton propre adversaire. Ne crois pas que c'est les autres, c'est toi-même.
tu t'auto-sabotes. Fais attention. Tourne ta langue. Ne fais pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse. C'est ça, écoute. Ne fais pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse. Est-ce que tu aimerais qu'on te dise des choses méchantes, qu'on t'insulte? Parce que oui, on en voit des insultes. Hein. Qu'on te manque de respect? Qui es-tu, toi, pour faire ça? Personne. Accepte. À bon entendeur. Et si ça ne te plaît pas, pars, swipe, scroll, passe à autre chose. T'as pas de temps à perdre à mettre des commentaires négatifs. T'as pas de temps à perdre pour ça. Mets-le, ton pouvoir créateur, mets-le en place. Fais quelque chose de constructif. Et tu verras, ta vie changera. Allez, bisous, on vous aime.